Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Palais des Sports Robert Charpentier pour la 25e journée de Ligue Butagaz Énergie, avant-dernier chapitre de cette saison 2022-2023, avec une rencontre entre le Paris 92, 4e, et l'OGC Nice, 8e. On est actuellement 5 victoires, 1 nul, 2 victoires en Coupe de France. On est meilleur à l'extérieur qu'à domicile. C'est vrai. Mais pourquoi? Parce que, à mon avis, on est capable d'aller mettre des choses, etc. Les filles, aujourd'hui, on joue un match à enjeu. À enjeu énorme pour elles. Elles jouent la course à l'Europe, etc. Mais en fait, ce n'est pas un match à enjeu que pour elles. C'est aussi un match à enjeu pour nous. C'est un match à enjeu pour nous parce qu'on est des joueuses professionnelles. De la Ligue des Gaz d'Énergie, enfin, ce que vous voulez, c'est notre métier. En termes d'équité dans le championnat, on a été gagné à Besançon, on a été gagné à Dijon, on a été gagné à Nantes. On a pris des points à ces trois équipes qui sont en train de jouer la course à l'Europe avec Paris. Je suis désolé, mais on se doit de le respecter. Ce soir, c'est télévisé. La seule image qu'on doit montrer, c'est que putain, Nice, ok. Nice, elles ne peuvent pas rivaliser sur un championnat entier avec ces équipes-là, elles n'ont pas le budget. Par contre, sur un match, elles sont allées piquer des points à tout le monde. Et ce soir, c'est ça qu'on veut montrer. C'est que nous, avec nos valeurs, notre envie, etc., notre engagement sur un match, n'importe quand dans l'année, que ce soit le premier, le dixième ou le dernier, on va aller faire chier ces grosses équipes-là pour qu'elles se rappellent bien de nous et que les Niçoises sont bien là pour quelque chose. Ok? On joue pour monter, qu'on est fier de ce qu'on est devenu. Moi, je suis fier de vous, en fait. Je suis fier de ce que vous êtes, je suis fier de ce que vous dégagez. Je suis fier de quand je viens discuter avec le journaliste, quand je viens discuter avec des gens qui me disent « Putain, mais là, il y a du changement, cette équipe, elle donne envie, vous avez changé les choses, dans le jeu, etc. » Ça, j'en suis vraiment fier. Mais j'aimerais surtout que vous soyez fiers individuellement, chacune de vous, de ce que vous êtes devenu. J'aimerais bien que tu sois fier de ce que tu es devenu, mais j'aimerais bien que tu sois fier de ce que tu es devenu, Matita. Vous êtes vraiment, vous avez engagé des choses cette année, vous avez changé, que ce soit collectivement, mais même chacune, vous avez toutes grandi. Les filles, la réussite, c'est la fierté dans les yeux des gens qu'on aime. Donc ce soir, on a une putain d'heure, pour montrer qu'on a réussi et qu'on en est fiers. Allez! Parce que on a feinté finalement de Chambertin, Allel, Marie Prouvencier. Ouais, c'est bien tiré. Techniquement, c'est très propre. Chambertin, passage de bras. Allez, il est bassi. Ouais, techniquement, ça aussi, c'est très propre. Elikiama Pampouya face à Marie Prouvencier. Ouais, c'est bien tiré. Tout en douceur par Marie Prouvencier. Parade de Maria Cholic. Ouais, elle peut être importante pour les Niçoises en même temps qu'elle peut casser la dynamique de retour des Parisiennes. Ok,
très clairement la circulation. C'est décousu. Mais derrière, on a encore la clutch player, Dele Bassi, qui porte son équipe sur ses épaules, hein, sur cette fin de partie. C'est un point en plus, peut-être, qui peut compter pour les Parisiennes, avec Kanouté. Oh, la parade monstrueuse, la parade énorme de Maria Cholic, qui est célébrée comme il se doit par ses partenaires, les Niçoises, qui sont en train d'exulter. On a un groupe assez soudé, jeune aussi, et cette victoire, ça montre tout le travail qu'on a pu accomplir avec Clément tout au long de la saison.